Très bien, on peut commencer. Donc, on a l'exercice travail. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Étant donné les contenus des registres et euh, des mots mémoire suivants, donc j'ai deux registres XR1 égale 1, XR2 égale 2. Donc, soi-disant, cette machine contient deux, deux registres d'index dans son microprocesseur. Et des mémo mots mémoire dans la mémoire centrale. Euh, donc, dans l'adresse 1000, on trouve la valeur 0. Dans l'adresse 1001, on trouve la valeur 1. Dans l'adresse 2000, on trouve 2. 2001, on trouve 3. Et 3000, on trouve 4. 3001, on trouve 5. Et dans l'adresse 0, on trouve la valeur 100. Voilà. XR1 et XR2 sont des registres d'index. Les valeurs entre parenthèses représentent les adresses mémoire. Voilà. voilà, donc, entre parenthèses 3001 égale 5, c'est-à-dire dans l'adresse 3001, on trouve 5, c'est-à-dire le contenu de l'adresse 3001 égale 5. Voilà. La première question indique le contenu de l'accumulateur après chacune des instructions suivantes. Donc, il te donne un programme en code assembleur de cette machine pédagogique. Et à chaque fois, il faut mentionner la valeur de l'accumulateur après l'exécution instruction par instruction. Voilà, la question est claire. Deuxième question. Donc, il te donne un autre programme assembleur. Donc, la question est, quelle est la valeur de F après l'exécution du programme ci-dessus? Donc, nous allons faire un déroulement pas à pas, instruction par instruction. Chaque fois, on, on suit, par exemple, le, le contenu de l'accumulateur jusqu'à l'arrivée de la valeur finale de F. Voilà. Bien, la question est claire. Commençons par la première question. Indique le contenu de l'accumulateur après chacune des opérations suivantes. Donc, j'ai un programme en code assembleur. J'ai deux registres dans le microprocesseur. Le registre 1 contient la valeur 1. Le registre 2 contient 2. Voilà les adresses mémoire. Dans l'adresse 0, on trouve 1000. Dans 1000, on trouve 0. Dans 1001, on trouve 1. Dans 1002, on trouve 2. Donc, c'est la mémoire centrale. Donc, ces adresses et ces données sont données dans l'énoncé de l'exercice. Très bien. Donc, nous allons suivre le programme étape par étape. Voilà, dès que des, des interaction, L'instruction, si vous ne faites pas remarquer, le load 3000XR1. load, c'est-à-dire charger à partir de la mémoire centrale, charger une valeur dans l'accumulateur. On une valeur, mais la mémoire centrale. dans l'accumulateur. Moi, l'adresse 3000,XR1. Donc, c'est un adressage indexé Donc, euh, apprenez les réponses, je vais 5 illégal, 5, 5, je connais deux je connais une réponse. Je connais deux réponses, je الو فوالا كاين واحد اخرى راه يقول فان سانك دونك شوفوا كيفاش لقاو سانك دونك لادريساج انديكسي تحكم هاد لادريس وتزيد لها لا فالور تاع الروجيست دونك شحال راح تولي 3000 بلس 3000 بلس 1 دونك راح تولي لادريس 3000 1 دونك يروح ل 3000 1 فالور ماركي ويجيب هاد السانك دونك لا ريبونس اي كوريكت سانك Voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. Instruction suivante. Load 999XR2. L'ancienne valeur de l'accumulateur, Rahi 5. Donc, la valeur initiale. Donc, quelle est la. Où euh, est l'instruction? Load. Donc, c'est un autre chargement. Donc, la nouvelle valeur de l'accumulateur après l'exécution de cette instruction. donc calculer 999 plus la valeur de XR2. Donc plus 2. Donc, 1001. Donc, il dire un accès avec l'adresse 1001. Voilà, remarquez, la valeur 1. Voilà. Donc, la réponse est correcte. Très Bien. Voilà, remarquez. Et l'ancienne valeur de l'accumulateur sera écrasée. Donc, il faut faire attention lorsqu'on fait un chargement, une instruction load dans l'accumulateur. Toujours, la valeur précédente sera écrasée. Très bien. Instruction suivante: load 1000, adressage indirect. Load 1000 L'adresse 1000 avec un adressage indirect. Attendez le contenu. Euh, 1000. Je connais la réponse une autre. 1000. Donc, nous avons 1000 avec adressage indirect. Donc, on avons un accès vers la mémoire centrale avec cette adresse 1000. Mais la valeur lue. Ce n'est pas la valeur de l'opérand. De, de donc, c'est une autre adresse. Donc, je vais accéder avec cette adresse. Donc, c'est un zéro pour lire le contenu. Donc, deux accès. C'est pour ça qu'il est appelé adressage indirect. Donc, ce 1000, c'est l'adresse de l'adresse. Voilà. Donc, la valeur est 1000. C'est correct. Donc, l'ancienne valeur sera écrasée, bien sûr. Instruction suivante. Load de immédiat. Quelle est la, nou la nouvelle valeur? Donc c'est un exercice sûrement sur euh, que les chargements. Que l'instruction load. Donc immédiat, donc directement remplacer cette valeur. Ou bien euh, envoyer cette valeur vers l'accumulateur directement. Sans aucun accès à la mémoire centrale. Directement de. Tout simplement. Voilà. voilà. Et le 1000 sera écrasé. Instruction suivante. Load 1000 direct. Quelle est la nouvelle valeur? 0. Donc, un accès direct avec l'adresse 1000. Un accès direct. Remarquez. Directement, Je faire un accès à la mémoire centrale. 1000. Le contenu de. De l'adresse 1000, c'est 0 directement. Donc ce zéro sera envoyé vers l'accumulateur. Remarquez. Voilà. C'est bon, on a terminé la, la première question. Deuxième question quelle est la valeur de f Il te donne un programme, Assembleur, qui calcule à la fin une variable f. Et la question crée la valeur de F. Donc, nous allons suivre les instructions étape par étape, instruction par instruction. Et chaque, à chaque fois, on calcule la, la valeur de l'accumulateur et à la fin, la valeur de, de F. Les mêmes, les, les mêmes données de registre et une mémoire centrale contiennent les mots suivants. Et à la fin, on a un nouveau mot qui est euh, comme adresse F. Très bien. La première instruction, load 3000D, donnez le contenu de l'accumulateur dans ce cas. 3000D, c'est-à-dire 3000 direct. Donc, un accès directement, voilà, avec l'adresse 3000, donc 4, tout simplement, voilà. Instruction suivante, add 2000XR1, et l'ancienne valeur est 4. Avant d'exécuter cette instruction. Donc, la nouvelle valeur, c'est 7. Je vais vérifier. Add, c'est une addition. Addition de l'accumulateur, donc 4, plus le contenu de l'adresse 2000xr1. D'abord, pour récupérer l'opérante qui sera ajoutée à cette 4. D'abord, 2000 plus 1, donc 2001. N'est-ce pas? Donc, 2001. Donc, je vais faire un accès avec 2001. Donc, l'opéron, c'est quoi? C'est 3. Donc, addition avec le contenu de l'accumulateur. Donc, on aura 7 dans l'accumulateur. Donc, la, la réponse est correcte. 7 dans l'accumulateur. Voilà. Instruction suivante. SAB, c'est-à-dire soustraction. 5 immédiats. Et l'ancienne valeur de l'accumulateur, c'est quoi? C'est 7. Donc, nous allons faire une soustraction 5 immédiat. Donc, quelle est la nouvelle valeur? Soustraire 5, donc 2, tout simplement. Donc, faire 7 moins 5. 7 moins 7 valeur. Donc, dans l'adressage immédiat, on utilise l'opérante qui est écrite dans l'instruction directement. Très bien, donc 2. Instruction suivante. Multiplication. L'adresse 3001 direct. Et l'ancienne valeur de l'accumulateur, c'est quoi C'est 2. C'est-à-dire, multiplier 2 fois cette valeur, cette adresse 3001 direct. Donc, je vais accéder directement à la mémoire pour récupérer l'opérante. Donc, voilà, c'est dit. 3001, c'est quoi C'est 5. Multiplié par l'accumulateur, 5 fois 2. Donc la nouvelle valeur c'est 10. Très bien. Instruction suivante. Div 2000D. Et l'ancienne valeur de l'accumulateur c'est 10. Quelle est la nouvelle valeur Amigoulo 5. Donc on chauffe. -eau. Donc, tout d'abord, nous allons récupérer l'opérant 2000D. C'est un accès direct. Donc, je vais chercher l'adresse 2000. Remarquez, la valeur de cette adresse est 2. Donc, c'est-à-dire diviser 10 sur 2. Donc, on trouve 5. Très bien. Voilà. Instruction suivante. Add 1000 avec adressage direct. L'ancienne valeur est 5. Donc, quelle est la nouvelle valeur? 5. Je vais vérifier. Donc, additionner 5 plus cette opérante. Donc, 1000 avec adressage direct. Donc, je vais chercher l'adresse 1000 directement. Remarquez. La valeur, lui, c'est quoi? C'est 0. Donc, c'est-à-dire 5 plus 0. On aura 5. Voilà. Très bien. Instruction suivante. Sab 0 immédiat. Et l'ancienne valeur est 5. Donc faire une soustraction compte tenu de l'accumulateur moins un 0 immédiatement. Donc le résultat sera directement 5. Aucun changement. Voilà. Instruction suivante. Store. F, D. Donc, que fait cette opération Store, F, D. Donc, enregistre le contenu de l'accumulateur dans l'adresse F, avec un adressage direct. Donc, ce 5 sera copié dans cette adresse. Remarquez. Voilà. Très bien. J'ai terminé le programme. Donc, la question est quoi Quelle est la valeur de F tout simplement, la valeur de f égale 5. Très bien, nous avons terminé l'exercice 3. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Est-ce qu'il y a des questions? L'exercice suivant. Exercice 4. Étant donné une machine, dans l'architecture donnée par la figure suivante, donc j'ai une euh, unité de traitement, accumulateur, des entrées, des sorties et une mémoire centrale. Donc des périphériques d'entrée comme le clavier, par exemple, des sorties comme l'écran l'unité traitement, c'est-à-dire l'unité qui, qui existe dans le microprocesseur. Et dans l'unité traitement, on trouve un registre appelé accumulateur, bien sûr, qui contient les calculs. Il est utilisé par défaut comme un opérant, dans le, comme un opérant et un, une destination, un, un résultat. La question. Première question, réalisez les instructions suivantes à l'aide seulement des opérations étudiées en cours. Utilisez l'adressage direct. La première question. Voilà le premier bloc. Lire A, A lire B. Euh, A, B sont des variables. C reçoit A moins B. R reçoit A plus B entre parenthèses moins C. Écrire R. Un autre bloc, lire B, lire A, a reçoit A au carré plus AB plus B au carré, écrire A. Deuxième question, sachant que A égale 10 et B égale 5, et quel compteur ordinal a été ajouté à l'unité traitement décrite précédemment eh? La question c'est quoi quelle adresse contient le compteur ordinal à la fin de l'exécution du bloc d'instruction A? Donc, une l'exécution de tel programme avec Alif Je vais découvrir la valeur de tel compteur ordinal. Après l'exécution. Suivante. Lors du déroulement du bloc d'instruction B, quelles sont les différentes valeurs prises par l'accumulateur? Très bien. Commençons par. La première question, réaliser l'instruction suivante à l'aide seulement des opérations étudiées en cours. Utiliser l'adressage direct. Donc, il te donne euh, euh, un algorithme des, des instructions écrites en langage euh, naturel, en langage humain. Il te demande de traduire ces instructions en langage assembleur de notre machine pédagogique. Voilà. Lire A, l'instruction à qui me fait C, l'équivalent à lire A, yes, can F, A, ou dire entre deux crochets, par exemple, pourcentage D, il est qu'un entier, ou le pourcentage F, il est qu'un float. Mais l'assembler qui veut lire A, Attendez les instructions, est-ce que l'instruction est qui, ou les deux, ou la trois, Attendez comment traduire cette instruction, lire la variable. A. كومون لير اون فاريابل نحطوها في لا ميموار سونترال لا فاريابل اي ديجا ديكلاري دونك بقات لي غير ندير لا ليكتور كومون لير اون فاريابل عندي يعني شفت كتبو ريد اه هذا ما كان ولا مازال ستوك جبتها ستوك هذه في نوفال انستركسيون اختارها مسيو محمد حمور Store A. Très bien. Donc, où je vais dire Il dit read. Donc, où je vais l'opération read Donc, où je dis dire que le clavier sera chargé dans l'accumulateur bah, Il va dire store A. Donc, bah, où je vais dire que l'accumulateur est la mémoire centrale dans l'adresse A. On va utiliser l'adressage direct. Donc, il dit « D. Remarquez. Read. Donc lire le contenu de la mémoire input/output ou bien ce qui est écrit dans le clavier. Donc on a le contenu de la stocké dans l'accumulateur. Oui store AD. Donc envoyer le contenu de l'accumulateur vers la mémoire centrale dans l'adresse A avec un adressage direct. Très bien. Donc pour cette instruction, il nous faut deux instructions assembleur. Très bien. Deuxième instruction, la même chose. Lire B, c'est-à-dire -dire, baina. Il a même posé la question. Bois dire envoyer le contenu de l'accumulateur vers l'adresse B. A bena, direct. Ok, remarquez la nouvelle instruction. C'est reçoit A moins B. Comment traduire cette instruction? On est en avoir réponse. C'est reçoit A moins B.

فوالا ميل موانزا اه نبدا نشوف لا ريبونس هذه ميل موانزا ايميديا دونك هذا واش حب يدير ويسك عنده في لاكيميلاتور بي احنا عندنا موان بي دار ميل موانزا ايميديا دونك في هذه الانستركسيون راكم تشوفوا معايا الميساج تاعو يبان لكم دونك راح تولي عنده موان بي في لاكيميلاتور بيان صحيحه من بعد واش دار اد ا اديسيون على لاكيميلاتور ا آه. هاي تولي عنده آه ا موان بي صحيحه مي مازال في لاكيميلاتور مازال ما دلاش اونفواي فاي فير لو سي نشوف لا سويت هذا اللي دار اد ا آه سي اد ا آه. لا ل... سويت تاعو ما... كتبو في سطر واحد دير بوان فيرغول كملهم لي زانستيكسيون باش ماشي شاك فوا دير اونفواي دونك هذا شكون نيليا دونك هذه بالك كملت البروغرام تاعها شو واحد دخل انت اه. كيفاش كملت هذه البروغرام تاعها درت اد بعد خلاص خصها انستريكسيون هكذا هذه اسمع بارداشان ما كملتيش البروغرام تاعك درتي اد سي l'accumulateur راهي كاينه A moins B مي في سي ما راهش كاين A moins B jusqu'à présent دونك خاصو هاديك انستركسيون انا نستناو تجي الانستركسيون هاديك ما جاتش دونك خاصو هاديك الانستركسيون ستور سي ايميديا ستور سي ايميديا باش الكونتوني دو لاكيميلاتور يروح دونك هادي ستين سوليسيون صحيحة تشوف شكون كتب حاجة واحدة أخرى هذا شكون دارو لود هذا بدا وقل هكذا بدا البروغرام تاعو لود ا دي وهي صحيحه هذا ديريكتومون شار كرازا البي وجاب الا سي بون من بعد دار ساب نو عم يتخلطولي لي دونك اللي اللي يكتب يكتب انستيكسيون تاعو في ميساج واحد ويدير بوان فيغي بيناتهم نقراوه ا فوا آه. راح ندير ما سوليسيون واش ندير Nous charger tout d'abord, nous charger le A. Je ne suis pas Nous le A dans l'accumulateur. Donc, je vais dire LOAD A. Voilà, LOAD A avec adressage direct. On va dire deuxième instruction SUB B. Alors, tout le monde dit A B. SUB B avec toujours adressage direct. Actuellement, donc, l'accumulateur ou A-B. Donc, comment envoyer le contenu de l'accumulateur vers l'adresse C? L'instruction store, CD. Voilà, j'ai terminé cette instruction. Voilà. L'instruction suivante, R reçoit A plus B. Entre parenthèses, moins C. Attendez les instructions, mais qui est le message de point virgule B les instructions TOAC ou on voit. Je vais mettre le programme TAC. Aïe, on installe les réponses TOAC. Comme l'instruction, R reçoit A plus B moins C. ليا الصحه لا بروغراماسيون لازم تتعلمو تبروغرامي وبلاسونبلور لازم تكونوا واجدين وقادرين دير ان بروغرام سامبل بلاسونبلور فوالا هذا هنا نقدروا نقراوه هذا واش دار لود ا افيك ادريساج ديريكت دونك تشارجا ال ا دون لا صحيحه الصحيحه من بعد دير اد De b ouf, donc présent, là, au... au b donc jusqu'à présent on a un un a plus b bater der sub der sub c donc jusqu'à présent un a plus b moins c à la fin der store r très bien tout est bon donc là, le programme est donc Afficher le même. Voilà. Load A, charger le A. Addition avec le B. Soustraire soustra le C et envoyer le résultat vers la mémoire centrale Store dans l'adresse R. C'est correct. La dernière instruction, écrire R. Attends l'instruction qui permet d'écrire R. Right. Très bien. Donc, il y afficher une variable dans l'écran. La commande. Right. Très bien. Donc, il y a une question. Lukel à la place de écrire R. J'ai par exemple écrit B. Par exemple. Ou je vais dire, ou je vais la commande TEC. Lukel j'ai dit écrire B. Je vais dire la commande TEC. Lukel écrire B. بي اسك دير رايت تكفيك لو كان جات عندي اكرير بي في هذا لو مومون زادونا انستركسيون هنايا اكرير بي كيفاش تدير عطوني لا ريبونس تاع هذه دونك اللي جاوب على اكرير ار هي رايت صحيحه دوك نديرها عليك مي لو كان دوكا اون بليس عندك اكرير بي في هذا لو مومون واش راح تزيد تزيد دير رايت وحده اخرى في رايك عطوني لا ريبونس تاعكم تبلي البروغرام تاعك في سطر واحد ديريكتوم ودير بوان فيرغول وكمل هيا فو ريبونس تري بيان دونك هذا واش يدير لو كان حاب تافيشي اون فاريابل اللي ما راهيش في لاكيميلاتور لازم تشارجيها دونك هذا شوف واش جاوبكم لود بي On charge à B dans l'accumulateur pour dire write. Vous Des fois, on dit write directement, ou des fois, on dit load. Donc, si la variable concernée par l'affichage est déjà dans l'accumulateur, il suffit une instruction write directement. Mais dans le cas où la variable n'est pas déjà chargée, comme cette instruction, écrire B, et on sait que la variable B n'est pas chargée actuellement dans l'accumulateur. Donc, il faut la charger. Donc, donc nous, on a besoin de deux instructions. Load B avec accès direct et write. C'est bon. Fais-moi le détail. Très bien. Euh, deuxième bloc. On a vu l'instruction Lire a, toujours. C'est. ريد من بعد ستار فوالا ريد ستار ا بين هذه لير بي توجور ريد من بعد ستار بي ار سوا او كاري بلس ا فوا بي بلس بي او كاري هنايا راني نستنى لي ريبونس تاعكم كتبوهم لي في سطر واحد افيك دي بوان فيرجول لي ريبونس باش ما يغلطوش وش فا باللي لا فالور بريسي دونت راهي البي ديجا انت كنت دير درت البي ودائما سي تكون دير اوبتيميزاسيون سي نقص لي زاكسي على ميموار سونترال معناتها كي تكون فاريابل عندك لاكيميلاتور بروفيتي ماشي تخلي تفقدها تكرازيان من بعد تقول لك ان غير خدمت بها دونك عندك الدروه تعاود تشارجيها بيان سور مي سي تكون اوبتيميت سي دير مينيموم داكسي ميموار Parce que nous avons programmeur en assembleur, des dire des optimisations en termes d'espace et en termes de temps d'exécution. Mais si intelligent, qu en, qu en valeur de l'accumulateur Est-ce que tu es ou là,

فوالا كاينه اون ريبونس نقراوها دونك هذا خير يبدا بلا ملتيبليكاسيون علاش عندو بي دونك واش دار دار مول بي دونك هكذا حسب بي او كاري اي والله بعد دار دوزيام انستركسيون ستور بي افيك ادريساج ديك، معنتها لداخل ب خبا ب و كا، معنتها فقد لافالور ب خلاص، لو كان يستحق ب راحش يزيد يسيبها، شفا مليح ها، بعد عاود دار ديف ب، عاود قسم لاكيميلاتور على ب، و ب كانت ب و كاري، معنتها ب و كاري سير ب و كاري، راح يولي في لاكيميلاتور أن، آه. بعد ميل اه معناتها ان فوا اه معناتها في لاكيميتور راه اه عاد ستور اه و اه كانت فيها اه معناتها ما تبدلتش كان البروغرام يبان لي غلط بعد دي دونك هنايا البروغرام هذا ما شكيتش يمشي وي جي ترومب دونك دونك صحيحه تري بيان اون اه. رومارك اه. بالك ما على بالكمش بها كي تكون دير لا بروغراماسيون اسامبلور عندك الدروات تستعمل لي فاريابل انترميديير كيما حبيت هكذا ما راكش ليميتي لا ميموار سنترال راهي فيها لي نهار تحب تخبي اون فالور عندك الدروا ما تقولش لازم نلقى لا بلاصه بين الا والبي نو عندك ديكلاري ميل فاريابل تخبي تخبي فيهم لي دوني تاعك مومونطانيمون تحب تستحقهم تعاود تريكيبيريهم علاش لازم تخبي دي فاريابل باسكو عندنا ادريساج افيك دي انستركسيون افيك اون سول ادريس دونك باين لازم تخبي حاجه في جهه اخرى دون مومونتانيمون وتعاود تجيبها دي فاريابل دو سوفغارد عندك الدروا دونك هنا لي دي لازم تخلى في راسك ماشي لازم ا و بي ما تخرجش باسكو هو عطاني غير ا و بي في البروغرام نو no. تكون عنده هذه سوليسيون واحده اخرى نقراوها دونك كاين ستور ان دي ستور ان دونك هذه ستور ان دي هذه اسك ستون انستركسيون كوركت عطانا اون فالور ايميديات ان وكتب قدامها ديريكت سي سي كوا ستور ان دي Donc, de préférence, si tu par exemple, S1, S2, Donc, l'idée, des variables intermédiaires. On S1, comme si un emplacement. Donc, classe. Donc je ça l'étudiant Puisque l'accumulateur fait B, donc, qui -b, fait b au carré. Dans S1, B au carré. Très bien. بعد دار ديف بي صحيح كان قاد يدير دي لود بي يعاود يعني يشارجي البي مي يعني هو دار ديفيزيون أه دو دي بريفيرونس ندير لود علاش عطوني شكون خير ها شوف هي تمد لك لو ميم ريزولتا ماركي بي او كاري حاب ترجعها بي تقدر دير لود بي تكرازي البي بي او كاري تجيك بي وبيان دير ديف بي نقسم لك بي او كاري سير بي تولي ايكال بي دونك شكون خير نديرو لا ود بي ولا ديف بي يمدو لو ميم ريزولتا مي كاين ديفيرونس بيناتهم اون تيرم واحد اخر اون تيرم دو طون شكون لي بلو رابيد عطوني شكون خير اه اي تو نوت ميموار فهمتها مي بريفيرونس تسميها اس ان ولا في ان دونك نعاود نولي البروغرام تاعو كي دير ديف بي فهمنا لي دي تاعو حب يعاود يريكوبيري بي دونك ديف بي وشنا تروح دير ان اكسي ميموار لا ميموار سونترال تريكوبيري البي من بعد تستعمل السيركوي ديفيزور وتقسم دونك واش درت اكسي ميموار وقت تاع اكسي ميموار كاين وكاين الوقت تاع لا ديفيزيون هذاك سيركوي ديفيزور مي لو كان دير لود بي واش كاين وقت غير تاع لاكسي ميموار ما كاش ديفيزيون دونك شكون لي بلو رابيد لا سوليسيون تاعي دونك ا لا تاع ديف بي صحيح انت راك حاب تريكوبيري البي دونك واش نديرو لود بي هذه خير منها لا هاي عندك دوكا البي في لاكيميلاتور واش دار مول ا معناتها هذا راه حاب يحسب ا فوا بي انا يعني فهمنا واش راه حاب يدير دونك حسب ا وكاري يخباها دون اس ان دونك راه حاب يحسب ا فوا بي ويخبيها دون اس 2 هاوليك ستور هذه دو دي معناتها خبا ا فوا بي خباها دون زين اوتر ادريس نسموها اس دو نكملو البروغرام تاعو او زاد دار ديف بي علاش دار ديف بي حاب يرجعها اه حاب يبدا يخدم على الأوكاري آه كاري هذه كان قادر يدير لود آ آه. هاو ليك شارجمون اه ديريكتومون باسكو لو تكرازي لك الا فوا بي واللي عندك الا آه. مي كي دير ديف بي راح تشارجي البي من لا ميموار سونترال وتزيد دير اوبيراسيون دو ديفيزيون عندك صافي دو تريتمون شارجمون بلوس اوبيراسيون كي دير لود عندك غير ان شارجمون بيان اه. اه. اه اه مي يمشي لك البروغرام هذا هاو عنده ا بعد دار ميل ا دونك راهي واش عنده ولاتلو ا او كاري دونك هادي ا او كاري سي با لا بان يخبيها في دون زين ادريس ميموار راح ياديسيونيها مع الاس ان هادي ويزيد ياديسيونيها مع الاس دو ريماركي اد ان معناتها اديسيونها مع الاس ان مع البي او كاري من بعد اد دو add, معناتها اديسيونها مع الاس دو تولي هذا لا فورمول جلوبال معناتها هنايا في هذا لو مومون واش كاين في لاكوميلاتور فيه او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري نشوفوا لا سويت اي والله دونك وش وش جسكا راح في ما بعثهاش واش نسى هنايا لي هذا واش نسى ريزولتا جوسكا بريزون راه في لاكوميلاتور ما راهش في الا دونك هاو زدها لنا ستور ا دي فوالا دونك هنايا هاو بعث هذا الكونتوني كامل لا فاريابل سي بون دونك راح نعاود لا سوليسيون بلا ميثود تاعي ما نديرش دي زوبيراسيون هكذاك انوتيلمون بور 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 ريكوبيري اون فاليو ما نديرش لي ديفيزيون ندير لو ديريكتومون ان شارجمون ديريكت الا كاين سوليسيون واحد اخرى نعاود نشوفوها هاد هذة سوليسيون هذا واش دار مول ا دي معناتها كانت عنده بي في دار مولتيبليكاسيون هاو واش عنده أو عنده ا فوا بي ستور سي دي هاو استعمل اون نوفال فاريابل سي خبا فيها بعد لود ا فوا بي تري بيان من بعد هذا لو ا بيان مول ا دي هاو اد سي دي جمع الاو كاري بلس أه, بلس أب ها أه. بعد عاود خباها في سي ستور سي تريبيان بيان دونك في سي راه او كاري بلس ا بي لود بي شارجا البي من بعد دار ميل بي معناتها ملتيبليكاسيون فوا بي ولات عندو بي بي او كاري بعد اديسيونها مع سي ستور ا mettre la solution c'est voilà acteuf donc le code assembleur il y a plus mais quelle est la meilleure la solution l'idée optimisation soit il y a quand même un problème l'espace l'idée optimisation de l'espace mettre gaspiller je faisais l'espace mémoire ou bien optimisation en termes de temps limite de je les accès mémoire les consommer je faisais les circuits là je faisais les opérations

Donc, l'accumulateur, c'est le B au carré. On dit un chargement. Le B, B. div B. Donc, on a fois B. Donc, le B, mul A. On a préparé donc, on A fois B. Donc, je vais enregistrer ce résultat intermédiaire. Donc, store Q. Donc, j'ai enregistré A fois B dans un nouvel emplacement. A Q, appelé Q. Donc, Q contient A fois B. Maintenant, je vais préparer le A au carré. Je vais charger le A. load A. Mule A. A au carré. L'accumulateur. Nous avons la valeur T. T. Il y B au carré. Remarquez. Add T. Maintenant, Raniz B au carré. Nous A fois B. Il a bien fait le Q. Add Q. Donc, l'accumulateur contient toute l'expression A au carré plus AB plus B au carré. Je peux faire store. d. Voilà, j'ai terminé cette instruction. Écrire e A. Naya, qui m'a le cas précédent? Est-ce que A est dans l'accumulateur? Est-ce que Write est fini? Oui. Donc je peux directement Write. Alors je dis Write parce que A est dans l'accumulateur. Donc je vais dire instruction écrire B

Suivant. le l'exercice 4, Mais alors, non. Donc, une, une deuxième question. Sachant que A égale 10, B égale 5, et qu'un compteur ordinal CO a été ajouté à l'outil de traitement décrit précédemment, Voilà la question. Quelle est... Quelle adresse contient le compteur ordinal à la fin de l'exécution du bloc d'instruction A Au début de l'exercice, il y a deux blocs. Le bloc A et le bloc B. Donc, on va exécute le bloc A dans l'assembleur. À la fin, je vais la valeur tel compteur ordinal. Déjà au début, je vais faire le cours, le compteur ordinal au début, je vais la la valeur de la valeur du compteur ordinal au début du programme la réponse La valeur du compteur ordinal au début de l'exécution d'un programme. Par défaut, là en général. Attendez la valeur de CO par défaut lors de l'exécution d'un programme. la valeur de CO? la réponse. Par défaut, hein, mais en général par défaut. Déjà c'est CO contient quoi? Contient l'instruction à exécuter. Hein? L'adresse de la première adresse de la première adresse Et par défaut combien? La première instruction, c'est zéro, oui, voilà. Donc par défaut, le compteur ordinal Contient la valeur 0, c'est-à-dire les programmes sont écrits au début de la, la mémoire. Donc le, le mot 0 commence le programme. En général, donc par défaut, le compteur ordinal contient la valeur 0. Très bien. Pour savoir quelle est la valeur finale. Donc on ne peut pas avoir la, la valeur finale et la valeur du début est inconnue. Donc c'est zéro par défaut. Et bien. Voilà. C'est le programme que j'ai créé dans le bloc A. Donc l'adresse de cette adresse est 0. C'est la première instruction. L'adresse de cette adresse 0. Donc c'est on fait le cas. égal à 0. C'est bon. C'est clair. Très bien. En général. En En plus. En cours de l'exécution de l'instruction, le compteur ordinal, va en cours de l'exécution de l'instruction read, cest à incrémentation. Maintenant, de l'instruction read, c'est au reçoit c'est au plus. Pour préparer la lecture de l'instruction suivante. Par défaut, le compteur ordinal diminue l'instruction. Au cours de l'exécution de l'instruction en cours, il incrémente son contenu. بور لير لا انستركسيون غير يكمل يريد هذه شحال يكون الكونتر اوردينال يكون ان علاش باسكو لادريس هي ان باش يدير لها ليكتور دونك هذه لادريس زيرو هذه ان هذه دو هذه نعاود هذه زيرو ان دو تروا كات 7, 8, 9, 10, 11. On a l'adresse de la dernière instruction. 11. D'accord. Donc, qui compte en cours de l'exécution de cette instruction Où est le compteur ordinal C'est l'incrémentation. Maintenant, qui met le programme à la fin du programme Attendez-vous la valeur du compteur ordinal. Je est-ce que 11 ou le 12 ou le 13 ou le 10? Attends la réponse. Chel. Je ne suis pas féin, mais on court de l'exécution. Voilà. 12. Donc, c'est le job de la 12. Je ne suis pas féin. Si on a 11, il y a des exécutifs, l'instruction est correcte. On court de l'instruction, on va dire, incrémentation. Chel tout le monde. 12. Donc, qui est le programme fait le point c O égal 12. D'accord, mais 12. Très bien. Voilà. On est au. la question A. Vous faites le même jet. Ben à des adresses. instruction par instruction. c est la première adresse. 0.

Question suivante, sachant que A égale 10, B égale 5. Et voilà la question. Lors du déroulement du bloc d'instruction B, j'ai exécuté le, le bloc B. Quelles sont les différentes valeurs prises par l'accumulateur? Même travail, l'exécution du bloc B, j'ai les valeurs TA ou B, pas à pas, étape par étape, chaque fois le contenu de l'accumulateur. دونك عندي ريد هنا بور لير ا آه. معناتها لي شحال راح يسيزي يسيزي ديس حنا قلنا ا آه ايغال ديس رومار ديس دوزيام انستركسيون ستور ا آه. معناتها نبعث الكونتوني د لاكيميلاتور فير لادريس ا آه. كي نديرو ستور اسك لاكيميلاتور يتبدل في رايكم كي ندير ستور حاجة كانت في لاكيميلاتور بعثها لميموار سونترال اسك لاكيميلاتور يتبدل نو ما يتبدلش صافي يبقى هو هو ديس نكملو

BD, ou qu'en fait l'accumulateur 5. Qu'est-ce qui est dit au store va pas changer l'accumulateur. Ça va être 5. Mille BD. On a la nouvelle valeur, qui 5. On peut fois B. J'ai la nouvelle valeur, valeur 25. Très bien, remarquez. Voilà. Instruction suivante. Store T, D. دونك دائما ستار هذه ما تبدلش لاكيميراتور ستادير تبقى 25 نكملو لود ب دي وين وصلنا لود بي دي معناتها Charger B, écraser l'ancien valeur de l'accumulateur. Donc la nouvelle valeur c'est B, a 5. Voilà. A. Instruction suivante. 1000 A, avec adressage direct, où l'accumulateur, l'ancien valeur était 5. Donc 5 fois A. Donc 5 fois 10. Donc 50. Très bien. Voilà. L'ancien valeur sera écrasée. Instruction suivante. Store QD, c'est-à-dire enregistrer cette valeur dans un endroit Q. Donc la valeur de l'accumulateur reste la même, aucun changement. Load AD, la nouvelle valeur, charger A dans l'accumulateur. Aléa 10, très bien. Voilà. Instruction suivante. Mul D. C'est-à-dire l'accumulateur reçoit l'accumulateur fois A. C'est-à-dire 100. C'est-à-dire 10 fois 10. Très bien. Remarquez. 100. Instruction suivante. Add t, D. Additionner l'accumulateur qui est 100 égale 100 avec T. Chaque la valeur de T, remarquez. Store T. Chacun 25. Donc la nouvelle valeur, additionner 100 avec le 25. Donc 125. Deuxième instruction, add QD, additionnez le 125 avec Q. Celle la valeur ta qui, remarquez, store Q, il est 50, c'est-à-dire 175. Voilà. L'instruction suivante, store A. Quitte qu'on a dit store D, mais l'accumulateur donc, l'accumulateur 175, mais Write A. Kif, kif. Right. est-ce que tu te l'accumulateur la, l'accumulateur est-ce qu'il te right qu l'accumulateur right, non mais il donc il reste 175 voilà j'ai terminé le programme هذا. donc euh, la valeur finale de l'accumulateur 175 c'est bon 6,5 voilà nous allons lancer de cet exercice. La figure-ci après représente un carré de côté C. Donc, un carré, remarquez. Très bien. Surmonté d'un demi-cercle. Un demi-cercle. سي بون bon. uh, uh, في رايكم دياغونال تاع هذا السيركل دياغونال معناتها من هنا لهنا وشنو ها من هنا لهنا دياغونال شحال في رايكم شحال دياغونال، سي بلو رايون دونك لو دياغونال هو سي باسكو هذا ستان كاري تري بيان ماتنون لو رايون هذا نصف القطر رايكم شحال نصف القطر لو سي سور دو تري بيان دونك هاد لي زانفورماسيون لازم تستنتجهم وحدك تري بيان شوف لا كيسيون دوني لا فورميل كي كالكول لا سيرفاس دو سيت فيغور معناتها لا فورميل ماتيماتيك تعطيني هاد لا سيرفاس كامل Deuxième question écrire le programme assembleur correspondant donc le programme qui calcule la surface. On va donner des informations supplémentaires la valeur de p est 3,14 se trouve en mémoire centrale donc se trouve sous forme d'une variable p contient 3,14 la valeur de c de cette euh, ce côté C. Donc, se trouve aussi dans le euh, dans le périphérique d'entrée. Donc, nous allons faire une lecture pour récupérer la valeur de C. Parce que C est écrit en, euh, avec un clavier. Donc, elle se trouve dans une mémoire input-output. Ce n'est pas la mémoire centrale. Donc, on va faire read, euh, Ce n'est pas load. Une troisième remarque, n'utilisez aucune variable. Autre que P ici. Donc, le marque est là. je faut dire optimisation, l'espace mémoire. Il faut gaspiller les mots mémoire. Par exemple, a un problème, l'espace mémoire. Donc, il faut faire une solution sans utiliser aucune variable intermédiaire. Je sais que dans l'exercice précédent, on a libre. On a déclaré qu'il y a beaucoup de variables. Mais il faut dire un programme long, mais il y a dit un problème. L'essentiel, il faut dire que je droit utiliser des, des variables intermédiaires, des résultats intermédiaires. N'utiliser aucune variable autre que pi et c. Très bien. Commençons par la première question. La, la formule qui... C'est un problème mathématique. Donc, le rayon R, r, Donc, c sur 2. Parce qu'on a toujours le rayon pour le calcul de la surface euh, de ce disque ou de ce cercle. Donc, nous avons la surface globale, ou est la surface de ce carré, S1, plus S2, plus ce demi-cercle. Donc, S global égale S1 plus S2. Comment calculer S1 Là, attendez la formule d'un carré c'est clair. S1 ou C fois C. Donc, c'était égal à C au carré. Très bien. Donc, okay. comment calculer S2? Disons que nous avons la surface d'un cercle global. Quand j'ai dit cercle global, quelle est la formule? La surface d'un disque de rayon R. Comment calculer la surface d'un disque? de rayon R mathématiquement je un le le disk de rayon R de pi R non la circonférence, la surface la surface machi, machi de pi R. شكون كتب ار فوا ار فوا بي صحيحه فوالا هذه هي ستادير بي ار او كاري تري بيان مي هذه لو كان جا عندي ديسك كومبلي حنا عندنا لا مواتي تاع ديسك دونك هاد لا سيرفاس اس 2 ايغال هاد لا فورمولا عطاوها لنا لي كوليك هي ار او كاري فوا بي سور دو فوالا هنا لا دوزيام سيرفاس تري بيان تري بيان دونك اس 2 هي 1 سور 2

Voilà, le rayon R égale 6 sur 2. Très bien. Donc, S2 est égal 1 sur 2 fois P fois C sur 2, le tout au carré. Très bien. Et ça, je vais donner la valeur finale. 1 sur 8 parce que y a des 2 au carré. Je 4 fois 2, 8 fois P fois C au carré. Très bien. On a S2. Maintenant, S global. global. S global S1 plus S2. Donc, S1 fois C au carré, S2 ou S2 fois 1 sur 8 P, C au carré. Je peux prendre C au carré facteur commun. Remarquez, il me reste S égale C au carré fois 1 plus 1 sur 8 P. Très bien, c'est la valeur finale, une valeur simplifiée, optimisée de cette surface. C'est bon. Donc, euh, euh, toujours, il est préférable de simplifier les formules mathématiquement avant de commencer la programmation. Donc, cette simplification nous donne une simplification dans le programme assembleur. Donc, vous avez que je 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 qui simplification de de boule pour minimiser les, fonds, les portes logiques, le cas pour minimiser le nombre d'instructions et le nombre de variables. Surtout que de de variables, C au carré ou P. Très bien. Deuxième question. Écrire le programme assembleur correspondant. C'est une variable, égale 3,14. Et C se trouve, donc c'est une variable, mais ça va. Se trouve dans le périphérique d'entrée. N'utilisez aucune variable autre que pi et c. Ou s avec la formule T. de la programmation. la première instruction. l'instruction. je ne dis rien. instruction parce que le programme tourne le l'instruction instruction par instruction.

Parce que l'adressage indexé, les mdémons, c'est additionner l'adresse ma registre. L'adressage indirect, les mddm, tu deux fois, tu l'adresse, tu as accédé bien. Donc, le meilleur mode d'accès, le plus simple pour les variables, c'est l'accès direct. Donc, à taille l'instruction suivante, tu as 1000 fois c. C'est as dit 1000 fois c. Tu as dit 1000 fois c. Très bien. دوكا لاستريكسيون سويفونت واش نديرو اللي ديت انا جات في راسي نخبي هذا السيك او كاري باش نبدا نحسب الان بلوس بي سور 8 مي ما عنديش الدروه نحسبها نخبيها في نوفيل فاريابل دونك وين خباوها وعطاوني لا ريبونس هنايا ستور سي دي، تري بيان. معناتها في السي راح تولي كاينه سي او كاري و حنا سي ما نستحقوهاش، ما عندنا ما زيد نديرو بها باسكو خلاص حسبنا سي او كاري. تري بيان. دونك لانستركسيون سويفونت هي ستور سي دي. شفاو بلي دون لا اه, فاريابل سي <hesitation> لانفورماسيون ستوكي اي سي او كاري، تري بيان. واش نزيدو نديرو؟ لود بي، تري بيان. حيشارجي بي، باسكو قلنا بي راهي في لا ميموار سونتال. تري بيان. دار لود بي. L'instruction suivante. Alors, il y a un P pour l'accumulateur. P, 3,14. Je vais vous dire, je la formule, il faut l'instruction à suivre. Division immédiate. Très bien. Div 8 immédiate. Donc, il y a un P P sur 8. L'instruction suivante. Remarquez la formule. عندك بي سور ويت، واش لازم لها؟ اد ان ايميديا، تري بيان. اه دوكا راهي عندو هاد البارونتيز في لاكيميلاتور. راهي ان بلس بي, بي سير ويت راهي في لاكيميلاتور. زيد، دوكا واش راك حاب تزيد دير؟ اد، راك سير باللي اد، بين البارونتيز و السي او كاري. راك سير باللي اد. فوالا مول ماشي ميل مول تري بيان دونك هذا راح يدير مولتيبليكاسيون بين لاكيميراتور و سي وقلنا بلي سي راه خبينا فيه سي او كاري تري بيان ماتنا دوكا اس وين راهي راهي في لاكيميراتور انا حسبنا اس الاس فينال جلوبال كامل راهي او نيفو دو لاكيميراتور تري بيان on peut afficher ce résultat. <applause> طري بيان كنت قادر نزيد ندير ستور آه, ستور سي باش نخبي لا فالور جلوبال دون لا فاريابل سي باسكو ما عنديش الدروا نستعمل دوتر فاريابل وبيان ما نخبيهاش نافيشيها باسكو لوبجيكتيف افيش ريد okay. ستور سي هذا ان نوفو بروغرام نقراوه ماشي با زان بروبليم اون بو فار ريد ستور سي تخبى سي ها من بعد شارجا البي دونك ما حسبش سي او كاري عنده الدروا لود بي دي من بعد ديفيزي سور ويت من بعد أه... اديسيونال ان أه. ولات عنده بي سور ويت بلس ان أه. من بعد مول سي دو فوا اللي هي سي او كاري من بعد رايت وي صحيحه هذا هذا لافونتاج تاعو راه يقول لكم انا قادر نحسب سون بيردر لا فالور دو سي باسكو حنا خسرناها لا فالور دو سي درنا لها اكرازمون هو خمم يحافظ على السي اون كا بوزوان في لا وي صحيحه مي انايا ما عنديش بروبليم نفقدها ما قاليش نستحقوها السي ما طانيش هذا لا كونترانت دونك انت درت درت كونترانت وحدك وقلت ما لازمش نفقدها ميم صحيح نورمال البروغرام ومليح حاجه تخموا وحدكم وتجيبوا دوتر سوليسيون دونك شتو ودائما ناقشوا الايجابيه على البروغرام على هذا دونك لافونتاج تاع هذا واش واش الحاجه تاعو لافونتاج تاعو ما سي لا لا فالور دو سي اسك حنايا اسك هو استعمل نومبر اكثر منا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هو استعمل ويت انستريكشن.

En plus, un davantage maximise la valeur tc. En plus, avantage ou le nombre d'instructions ou 8. On a le nombre d'instructions ou 9. C'est Voilà. Donc, pour moi, la solution TO, la solution T. -a. En termes de nombre d'instructions, ou de préférence, de garder les variables d'entrée. On ne qu'arrache même pas le C. Oui, c'est possible. Très bien. Merci pour cette solution. C'est bon. Est-ce que maintenant? Voilà, on a terminé. Est-ce qu'il y a des questions? On a terminé le programme, la série, on a terminé tout. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Pour utiliser une instruction de moi. Voilà. Nous avons une instruction de moi. Surtout le calendrier de problème. De minimisation dans le temps. La solution taxe sur elle est le meilleur. Des questions dans de, de, de ce chapitre? كون عندو كيستيان فوالا مال بروشان دونك راح ندير ديجا عندي واحد دي سوجي راح دي كوريكسيون دونك شكو ce que je vous conseille ما تحسبوش باللي هاد لي دو واحد تدوهم عطله ها كاين في بالكم <سؤال> باللي ماش ماش ما على بالكم شويه يستنى فينا كي ندخلو واحد ما على بالو دونك دو بريفيرونس لي تيديا ما يجيش تاكل يدير الحسابات اللي ملاح ومن بعد يدي لي فاكونس دائما il faut او بي au pied ديكا هاك شكون حاب يهضر وي عنده دروي يهضر وي راني نسمع اللي عنده كيستيون عنده دروي هكذا دونك نوصيكم سورتو اللي ماهوش يحضروا صون باللي لازم يخدموا في هذا اللي دموا باش يكونوا باسكو ايماجيني تدخلوا في سبتمبر ولا لي زونسيون كاع راحين يكونوا اه يديروا لاكسيليراسيون دونك ايماجيني تدخل تخرج م... من, من سيونس السيونس كامل ياكسيليري دونك انت ما كنتش قايد في لي دو موا هذا ما كنتش اجور ولا ما كنتش شفت والو واش درناه في الويباكس دونك ايماجيني كيفاش راح تتبع دونك عندكم الوقت اللي اللي راه كالك سيونس ولا كالك شابيتر هاد لي دو موا ينظم وقته ويريح شويه ويقرا شويه هاد واش فوالا ميرسي سي نا با دي كيستيون بيان سور عندكم لي موايان هذوك لي فيسبوك المايل اللي عنده كان يقرا ولا وقت ما لقى كيستيون ما يخافش يقول دوك نديرونجيه في الصيف ولا انا ما حش ريح بالنسبه ليا ما كاش عطله دوك حنا نبقى نبريباري لي سيونس وقت ما بان على الكيستيون آه... تاع الصبيا عادي السلام عليكم